c'est difficile partout. C'est pourri partout. Toi-même, ton milieu de la politique, c'est le plus pourri. Je veux chanter et je vais chanter. Dans vos cas, le son, hier, c'est mon hyper pot. Si vous rap, vous voyez, je suis venu, mes pots. Ouais, si vous rap, vous voyez, là, mes pots. C'est le jazz, ce qu'est su. L'avenir nous en dira plus. On est ensemble. Bré. Tu n'es qu'un sale égoïste, un ingrat. Et considère qu'à partir de maintenant, tu n'es plus de mon groupe. Merci, maman, tu es exceptionnel. Tu es ma meilleure, la première, c'est toi. Merci pour tous tes sacrifices, maman. L'université ne va pas fuir. Je peux me mettre un stop à mes études et puis reprendre, non? Dans ce cas, fais le contraire. Finis d'abord tes études et après, tu pourras te lancer dans la musique si tu veux bien. Parce que tu penses que cette opportunité se répétera. Tu n'auras aucun chèque. Débrouille-toi. Assume. Bertin! Je suis très content pour toi. Vraiment, vraiment, merci. Merci pour tout. C'est grâce à toi. Maintenant, quelle est la suite? Bon, ce qu'ils ont fait là, c'est une première phase. Il y a d'autres candidats et on doit s'affronter jusqu'à ce que le meilleur gagne. Donc, c'est la finale on vise. Tchon! C'est ça même. On va faire ce qu'on peut. Non, hein, le vieux. Fais tout ton possible. Tout est en tes mains. Tout dépend de Dieu. N'oublie pas. Bon. Ah. Tu gonfles là. Sur ma oreille. Qui s'ouvre là. Bon. Je vais préparer deux gris-gris pour toi. Un doit être dans ta bouche tout le temps. Et l'autre, tu vas l'enterrer là où vous allez faire ce concours. C'est compris? D'accord, moi, Ivan. D'accord. C'est pas top, les gars. Il y a encore du boulot. Vous avez constaté que depuis 2 jours, Estaguer n'est pas là. Il a été sélectionné pour la dernière voix. Il nous a quittés. Oh! Hi, comment ça? Donc le binôme Aïcha Estaguer, c'est mort. Mais on ne va pas abandonner. Il nous faut un nouveau binôme. Bon, en attendant, on va essayer le binôme Aïcha avec Damas. Si ça marche, tant mieux. Sinon, je ferai. On va essayer une autre partie. On ne dira pas que j'étais dur dans mes critiques. On a tous vu. Vous dansez comme des agoutis. C'est pareil pour vous tous. Donc ne riez pas. Les gars, vous n'irez pas en tournée avec moi si vous dansez comme ça. Alors là, pas du tout. Si ça ne va pas, je vous vis tous. Et je recrute de nouveaux danseurs. À bon entendeur, salut. Hein? Tu vas avec combien de valises? 3. C'est pas trop. Vous allez faire 1 an là-bas. Regarde, ne m'énerve pas. Hein. Je ne vais pas là-bas pour plaisanter. On te parle de concours de star. Tu vis sur quelle planète même? Vous êtes déjà star. Moi, oui. Les autres, je ne sais pas. Mais de temps en temps, là, quand tu vas venir, là, tu pourras prendre des habits. Si je vais avec tout ce que je veux en même temps, ça fait quoi? Arrête de m'embrouiller. Si tu es fatiguée de m'aider, je peux me débrouiller seule. Non, c'est pas ça. Donc, à nous aller. Les vêtements que je porterai le matin, je ne les porterai pas l'après-midi, ni la nuit. Attends, où est mon portable? Ce Bertin-là, il n'a qu'à venir me signer un chèque.
Il pense qu'il va se fâcher et puis je vais le laisser tranquille. Avec votre parable que vous avez fait hier, là. Je m'en fiche. Je mange quoi là-bas? Ou si j'ai un souci, je le règle comment? Et puis, c'est quelle parable même? On ne se réconcilie pas après la guerre. C'est qui? C'est ta maman. Maman? Vous qui me suis oubliée. Bonjour, maman. Bonjour. Vas-y. Tu veux un peu d'eau? Non, ça va, merci. Ok. Ça va? Ça va. Et chez toi? Moi, ouais, je vais bien. Ton père m'a appelé pour m'engueuler. Aïe. Pourquoi? Déjà, je n'étais pas d'accord qu'il te laisse porter ces rastas là. Maman, c'est des locks, c'est pas des rastas. Je m'en fous. Je veux savoir pourquoi ton père m'a appelé. C'est pour ça que je suis là. Aïe, mais comment il peut savoir pourquoi il t'a appelé? Il dit que tu veux abandonner les études. Et il m'accuse d'en être la cause. Oh, c'est une vieille histoire. Pourquoi il t'appelle encore pour en parler? Donc cette affaire existait. Lynn, tu veux vraiment abandonner les études? Et pour faire quoi? Chanter? Maman. Non! Non et non! Cite-moi 10 artistes qui ont réussi dans ce pays. 10, pas 11. Je te parle d'artistes avec une vraie stabilité et un confort financier depuis plusieurs années. Pas les artistes au succès éphémère. Tu as fumé ou quoi? Non, c'est une vieille affaire, c'est oublié. J'espère pour toi. Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Comment une brillante étudiante comme toi en pharmacie peut s'attirer de tels malheurs? Aïe, un malheur. Tu ne vois pas les artistes qui meurent de faim ou qu'on expulse de leur maison pour loyers impayés? Tu ne vois pas sur les réseaux sociaux les artistes obligés de quémander pour se faire soigner? C'est cette vie-là que tu veux? C'est cette vie-là que tu veux? Tu n'as pas entendu ma question. Je ne sais pas quelle réponse te donner encore. Peggy. Ma chérie, moi, je ne sais pas comment on fait pour retenir son homme à vie, hein. À part se mettre bien avec lui. Oh, Peggy. Mais ça, on a déjà fait. C'est pour ça qu'il continue de venir, nous. Dans ce cas, innove, ma chérie. Fais-lui des petits chichis. À la menthe. Au chocolat, c'est son lit de caramel. Et pourquoi pas au piment? Moi, je dois y aller. Il faut que je trouve quelque chose d'original. Il faut que quand il sorte de chez moi, il se rappelle de ce petit truc. Aïcha. Hé, hey, tu m'as fait peur. Ça fait près d'une heure, je suis en train de te dire que je dois partir. Il se fait tard. Mais il va me manquer. Comment il est fait? Tu ferais mieux de te concentrer sur les répétitions avec Jessie, hein? Ça, il sait pas comment il a fait de... Je sais pas comment il a mon sortir Damas. Ah, ma chérie, il va falloir que tu trouves une solution. C'est ça. Ciao! Ah, mais tu t'en vas vraiment? Petite Aïcha, chaque fois que je te vois, j'hallucine. Ne te la raconte pas, ne fais pas comme toutes tes copines. Oh, oh, petite Aïcha, ton caractère m'assassine. Aucune autre démarche ne peut mettre en avant cette taille fine.
Non, non, petite Aïcha, ne crois pas que je parle à toutes les meufs comme ça. Car dans ma tête, y'en a que pour toi. Laisse la bête, ton nom, non, laisse la bête, j'm'en bats. Aucune autre femme ne pourra remplacer ma Aïcha. Oh non, j'm'en bats. Aucune autre femme ne pourra remplacer ma Aïcha. Ouhou, 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 ouhou. Aïcha. Merci boss. Tu c'est ça qu'on appelle vrai patron. Toi au moins tu aides les gens à faire avancer le travail. Mais le faux patron, eux sont assis là à regarder les gens travailler. Et puis c'est eux qui crient sur les gens. Adams, faut qu'on parle sérieusement. Y a fait quoi encore? Adams, prends notre business au sérieux. Touti, tu vas me dire ça combien de fois? Ou bien tu penses que je suis inconscient? Tu sais, je ne serai plus là. Je ne pourrai plus aller faire des petits gombos pour qu'on se défende. J'ai un loyer à payer. Cette place qu'on occupe là, il faut qu'on la paye. Et tu as tes charges. Touti, c'est bon de donner conseil, mais tu parles un peu trop. Hein? C'est vrai, il m'amuse beaucoup. Mais je suis conscient. Mais je sais ce que j'ai dans la vie. Je sais aussi ce que tu as mis dans ce business. Tu sais, va. Ne regarde pas derrière. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ouais, la famille, c'est la dernière vidéo de votre grand du hip-hop, le jazz, avant mon départ pour la résidence. Priez pour moi, beaucoup de doigts, beaucoup de barakas sur moi. God bless, on est ensemble. Bra! Eva. Oui. Dans quelques heures, je suis partie. Ton Bertin, je n'ai pas de ses nouvelles. Je l'appelle, il décroche pas. Tu lui as envoyé un message? Je t'ai appelé pour te prendre un témoin, pas pour me donner des conseils à deux balles. Après, c'est pour dire celle que vous voyez à la télé là, c'est moi qui lui donne conseil. Oui, oui, c'est ça. Lève les yeux au ciel. En tout cas, si tu ne veux pas qu'on te vide de la maison, tu as intérêt à l'appeler pour qu'il te donne mon chèque. Ah, Fichon, ça, je vais faire comment? S'il ne veut pas que tu chantes là, faut pas chanter. Pardon. Faut rester. Eva, faut pas m'énerver. Tu veux un salon de coiffure, c'est pourquoi tu es là. Je t'ai un jour dit d'abandonner. Donc ne me dis pas d'abandonner mes rêves. Tu as le numéro de Bertin, débrouille-toi. Ça là, ça va être dur de... Quand il te remet mon chèque, tu m'appelles. J'ai fini de parler, tu peux partir. Ah ouais, c'est Basse, ça tombe bien. Je vais lui annoncer la nouvelle. Allô? Hé, hey, Touti. Oui, Basse. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, Molo, et toi? Ah, ça va. Hey, dis-moi, tu connais une certaine Chloé? Attends, j'ai pas bien entendu. Je vais me déplacer. Touti. Oui? Y a pas de réseau ici. Basse, excuse-moi. Mais c'est confidentiel. Et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de savoir? Levez, il y a quelqu'un au fil, on va pas lui gaspiller ses unités. Je reviens. Allô? Allô, Bass? Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, rien d'important. Ouais, Chloé. Je l'ai rencontré chez toi, à ton cabaret. Mais j'ai plus son contact, par contre. Cherche, hein? Moi aussi, elle la cherche, man. Donne-moi son contact, s'il te plaît. Ben, je ne l'ai pas, mais sur le cabaret ce soir. Aïe, aïe, aïe. Quoi? J'ai été sélectionné pour participer à la dernière voix et on va intégrer la villa ce soir. Aïe, que oui. Écoute.
Viens là. Viens là. Tu sais quoi? Tu es un grand garçon. Tu as fait le choix qui t'arrange. Je t'en veux pas pour ça. Tu peux voler sans moi et moi sans toi. Je te souhaite un succès. Un grand succès. Va. Il remporte ce concours. Je serai très fier de toi. De toutes les façons, la musique et la danse ont toujours fait un. Ouais, oui. Mais une dernière chose, n'oublie jamais que ce qui nous lie est très fort. Peu importe le résultat de ce concours, ton projet d'album tient toujours pour moi. Ok? Ne l'oublie jamais. Ok? Lève-toi. Quand je m'installe, je t'appelle. On part maintenant là. Gros bisous. Tu sais, tu es un ange. C'est pas ce que j'aurais fait sans toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé. Bébé. Assieds-toi. Oui, dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tutti. Oui. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Mais je ne veux pas que tu oublies qu'on galère. Et on s'entraide depuis toujours. Tiens. Pour le meilleur et pour le pire, comme on l'a dit. Pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a jamais eu de secret entre nous. Sauf aujourd'hui. Ah bah ça, las. Expliquer. Chloé, c'est une connaissance de base. Elle a beaucoup de fric, beaucoup de cash. Moi, je veux juste qu'elle produise mon album. Rien de plus. Continue de me faire confiance. Tu sais, au-delà de l'amour qu'on partage, tu m'as beaucoup aidé. Je te dois assez. Et rien ne va changer cela. Rien. Rien du tout. Thank you.
Tu as des soucis? Bébé, parle-moi s'il te plaît. Tu veux que je te dise quoi? Je veux que tu me dises ce qui ne va pas. Tout va bien. Non, je te crois pas. Je t'ai jamais vu dans cet état. Tu pensais à quoi? Oh. Ça va. Y a quoi? Je dis ça va. Tu me caches des choses. En fait, j'ai mis du temps à comprendre, mais là, je comprends. Ces appels en cachette, ta réaction quand j'ai fouillé dans ton portable, cette histoire de musique, de résidence, en réalité, tu as eu un autre mec avec qui tu veux t'installer, n'est-ce pas? N'importe quoi. Pas du tout. Mais attendez, je te reconnais plus. Avant, je t'aurais trouvé là en train de bosser. Mais regarde, livre et cahier sont fermés. Pendant que Tanti est assis sur le lit en train de rêver. Yacine, faut rentrer chez toi, pardon. Je suis là. C'est un petit artiste qu'on réussit ici. 10, pas moi. Je te parle d'artiste avec une fesse à ta. 1. Asalfo. 2. Alpha Blondie. 3. Mewé. 4. Araf. Non, lui n'est plus. 4. Le D. Siro. Ah non. Eux, ils sont deux, mais chacun a sa vie. Ok. À 15, je lui envoie la liste. Comme ça, elle saura que la musique est une profession qui nourrit bien. Quand on sait l'exercer. Un focus, j'ai envie de dire, qui va s'intéresser à un événement majeur de la scène culturelle ivoirienne. Il s'agit en l'occurrence du concours de chant La Dernière Voix, piloté, chapeauté de main de maître par notre ami Wilson. Et à l'issue de la compétition, 5 candidats ont été retenus, mais une des finalistes n'a pas pu être là avec nous. Ils nous font la grande amitié d'être ici sur le plateau. Il s'agit en l'occurrence de Mrs. Fashion. Hello. Hello. Comment tu vas? Ça va. Bienvenue dans le match, bienvenue sur Trace. Merci beaucoup. Juste à côté, on a Jess. Ouais, famille, c'est la Jessin. Voilà, c'est le DGESS. Ça va, au calme, pépé. Très, très content de représenter le rap ivoire. Très, très content aussi de faire plaisir à tous les Jessalois. Tous les Jessalois? Si, si, c'est ma fanbase. Très, très original. Si, si. À côté de toi, Jess, on a notre ami qui fait office de représentant de la mouvance art. R&B, de tout ce qui est Afro Love. Justement, ça veut dire quoi, Touti? C'est, enfin, ça diminutif de mon nom et de mon prénom, Thierry Thibé. À l'extrême gauche, il y a notre ami Ras Tiger. Yeah, yeah. Très dans l'ombre, j'ai envie de dire. Bon, écoute, y a rien à dire, hein, comme on dit, le tigre ne crie pas sa tigritude. Absolument, on est plus dans la retenue et dans l'observation. Yeah, toujours good, man. Super. Venez nous aider, celui-là, il est planté là-bas comme un poteau. Mais on est où ici, là? C'est la brousse ici? Abbas, Salas. Ça sent l'arnaque, ça. Mon ami, on n'avait pas de chariot là-bas pour porter nos valises. Ah, tu penses qu'on est à l'aéroport ou quoi? Soyez les bienvenus, chers amis.
Je suis Wilson. Et nous sommes heureux de vous accueillir dans notre laboratoire. Bonjour et merci pour l'accueil. Mais nous ne sommes que quatre. À ce que je vois, le cinquième candidat a déjà jeté l'éponge avant le combat. Pas du tout, très cher. Vous êtes bel et bien cinq. Non, non. Mademoiselle Lynn n'a pas abandonné. Je suis bien là. On ira au sommet, on ira au sommet.